Quoi de neuf les amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une agréable soirée. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mes amis, c'est de vous montrer comment jouer à vos jeux PlayStation 2 sur vos smartphones ou bien tablettes Android. Donc l'astuce est très simple, on va utiliser un émulateur qui est disponible sur le Google Play Store et à travers cet émulateur, vous pourrez jouer à des jeux PlayStation 2 tranquillement sur vos appareils sans aucun souci. Pour cela, vous devez, mes chers abonnés, suivre les instructions qu'on va vous mentionner car il y a plusieurs étapes à faire avant de rendre l'émulateur fonctionnel à 100% et que vous n'aurez pas de soucis à faire fonctionner vos jeux. Donc, mes amis, on va tout vous expliquer juste après cette courte pub. Donc mes amis, on va faire simple et on va essayer de vous expliquer étape par étape le plus clair possible. Donc tout d'abord, vous allez vous rendre sur le Google Play Store. Donc une fois sur le Google Play Store, vous cherchez l'application Aether SX2 que vous voyez ici. Vous cliquez dessus, vous installez l'application sur votre appareil, smartphone ou bien tablette. Une fois que l'application est installée, vous cliquez sur Jouer. Donc, vous suivez les instructions suivant, suivant, suivant. Donc, comme vous le voyez, il nous demande d'importer le BIOS. Donc, moi, j'ai déjà tout téléchargé. On va vous mettre le lien dans la description de la vidéo afin de télécharger le BIOS facilement. Donc, importer le BIOS. Ensuite, on va se rendre sur gestionnaire du fichier. Moi, je l'ai mis sur la carte mémoire. Je descends vers le bas, BIOS, et je choisis mon BIOS. Donc, je vais choisir celui qui fonctionne selon mon appareil. Donc, je clique dessus, je sélectionne le BIOS et je clique sur Suivant. Maintenant, le répertoire des jeux. Où est-ce que vous avez sauvegardé vos jeux? Je clique sur Suivant. Ensuite, je vais aller chercher mes jeux. Où est-ce que j'ai laissé les jeux? Donc, on va aller dans Download. Donc, créer un dossier. Jeux. PS2. OK. Utiliser ce dossier. Autoriser. Suivant. Ensuite, on clique sur Terminer. Oui. Voilà, ça c'est des configurations. On va vous expliquer ça plus tard. Ensuite, on va aller chercher les jeux sur notre appareil. Donc, on va sélectionner la carte mémoire parce que c'est là que j'ai mis mes jeux. On va choisir celui-là, Tekken. Et comme vous le voyez, il va lancer le jeu. Je vais mettre le mode rotation. Donc j'ai mis le mode rotation pour que le téléphone tourne. Donc le choix d'émulateur, comme vous le voyez, ça fonctionne. Le jeu va commencer. Comme vous le voyez, mes amis, le jeu va commencer. Start. Start. Voilà. Donc, comme vous le voyez, on va changer le bouton. Comme vous le voyez, voilà, ça bouge, il n'y a pas de problème. Tout fonctionne correctement. Je sélectionne n'importe quel joueur, c'est juste pour vous faire la démonstration. Donc, comme vous le voyez, si vous voyez ces ralentissements, c'est dû à la configuration. Donc, il y a beaucoup de choses que vous devriez configurer au niveau de l'émulateur par rapport au jeu.
afin qu'ils puissent être compatibles et avoir une fluidité sur votre émulateur. C'est très important de faire cette configuration car elle nécessite une configuration pour optimiser le jeu afin qu'il puisse fonctionner correctement sur votre appareil. Donc pour cela, vous devez vous rendre dans les paramètres. Donc vous allez dans les paramètres, système, et vous faites les changements ici selon le jeu. Car chaque jeu nécessite une configuration afin qu'il puisse fonctionner sans aucun problème, sans lag et bien sûr sans problème. Donc, comme vous le voyez, mes amis, ça fonctionne sans aucun problème. Vous pouvez maintenant le tester sur vos appareils Android et faites-nous part de votre expérience. Afin de savoir si cela fonctionne chez vous ou non. Mais une chose est sûre, que ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Donc vous devez juste installer cet émulateur sur votre appareil qui est disponible bien sûr sur le Google Play Store. Donc mes amis, c'était juste pour vous faire découvrir cet émulateur que vous pourrez installer depuis le Google Play Store sur vos appareils Android, smartphone ou bien tablette, et par la suite pouvoir jouer à vos jeux PlayStation 2 sur vos appareils. Si vous avez aimé la vidéo, mes amis, n'oubliez pas de la liker et bien sûr de la partager avec vos amis, d'activer les notifications afin de recevoir les nouvelles vidéos. Autrement, il est temps que je vous dise à très bientôt. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver. Ciao.